tu vois, ça, quand tu appuies des fois, ouais, obligé d'appuyer avec tes doigts. Sinon, si tu mets un grand coup. Ah oui, ça peut casser. Ouais. Cet encadrant technique donne les dernières indications pour bien monter la roue de ce véhicule. Ils sont jeunes et ils sont un peu speed. Alors qu'il faut faire très attention en mécanique aujourd'hui. Les voitures sont en plastique, relativement fragiles, malheureusement. Sous ses ordres, deux jeunes en contrat d'insertion, prêts à se relever les manches et apprendre le métier. La mécanique auto, moto, c'est, on va dire que c'est toute ma vie parce que j'aime bien travailler, j'aime bien apprendre. Depuis que je suis ici, j'ai bien appris déjà, surtout sur les deux roues. Maintenant, il reste la partie auto à apprendre davantage. L'idée, trouver un emploi pérenne au bout de ces plusieurs mois d'expérience. Mais dans ce garage solidaire de Bergerac, on forme, mais aussi aide à la réparation des véhicules. Destinée à un public en difficulté financière, la structure propose, à condition d'acheter les pièces, de les installer. Une main-d'œuvre deux fois moins chère que chez un garagiste classique, un geste qui permet souvent de relancer ses clients sur le marché du travail. La mobilité est un problème essentiel, l'activité économique maintenant est en périphérie de ville et quelquefois un simple scooter permettrait de débloquer une situation d'emploi. Et pour compléter son offre et permettre à tous d'accéder à la mobilité, la Fac 24 proposera prochainement la location de ces deux roues.